Paul Daly est mort, a écrit la rédactrice en chef. Et hier, tous ces Hongkongais qui se sont rendus dans les kiosques pour acheter la dernière édition d'Apple Daily tirée à 1 million d'exemplaires, se sont comme rendus à des obsèques, aux obsèques d'un journal. Ils ont assassiné Apple Daily. Il, c'est Carrie Lam, la responsable de l'exécutif, la chef de l'exécutif de Hong Kong et les donneurs d'ordre à Pékin. Nous sommes venus ce matin devant l'ambassade de Chine à Paris pour protester contre cette mise à mort d'un journal, cette mise à mort clinique, cet assassinat, pour rendre hommage à une rédaction qui a lutté jusqu'au bout, pour rendre hommage à Jimmy Lai, le patron qui est aujourd'hui en prison avec d'autres dirigeants d'Apple Daily. Cette alarme à l'intérieur, c'est manifestement fait pour nous empêcher de parler. Il y a juste un symbole, juste un cercueil là posé devant l'ambassade avec une gerbe, Apple Daily, 1995-2021. Et manifestement, ça ne plaît pas au régime chinois devant l'ambassade duquel nous nous trouvons.